Bon, on a un gros chargement de foin ici derrière. Fab me suit avec le Renault parce qu'il a la Bennett Josquin. Et on rentre à la ferme. Hein. On aura déjà fait... Là-dessus, on a quoi? On a un champ et demi, donc c'est pas mal. Hein. Il nous reste plus que la moitié d'un autre champ. Théoriquement, voilà, normalement, Noah est déjà en train de vendre l'ensilage qu'on avait fait la dernière fois parce qu'on n'a plus un rond. Hein. Il nous reste 600 euros sur le compte. Ah bah, ils sont occupés en train de débâcher le silo, à ce que je vois. Bah, salut les gars. Salut. Yop les potes. Tu vas vendre... vous allez vendre l'ensilage, qu'est-ce que vous faites? Bah ouais. Ouais, parce que j'ai regardé les comptes, hein. Vous savez combien il nous reste? 600 balles sur la société, hein. Après, on en fight, hein. Bah c'est ta faute aussi. Bon, Ténis, t'as con, on s'entend même plus parler là. Mais non, mais j'ai regardé, quelqu'un a fait un achat, c'est pas possible. Hein. 600 euros sur le compte, nous, il a des, la fois passée, il nous restait plus de 2000. Ah, regarde qui c'est qui a fait un achat. Putain, c'est pas possible. Avec sa roulotte, t'es encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais qui se casse d'ici, hein. Non, mais toi, on te voit jamais à part pour faire de la merde. Je viens d'être dans mon baraquement boire un coup. Comment ça? Ah oui, tu l'as acheté avec quoi ça? Ah ouais, avec le compte de notre société encore, hein. Regarde-le. Regarde-le aller. Oh là là. On a pas le temps, faut bosser. Faut bosser. Ouais, mais tant qu'à faire, autant boire un coup. On a la limite de la faillite, autant noyer les problèmes. Ouais, santé les gars. Santé la tienne. Ouais, merci, merci Thierry. Par contre, tu feras gaffe, tu préviendras. C'est pas ta frère. Ouais, l'ancien. Oh, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que vous faites, là? On est à la limite de la faillite. Thierry a encore acheté sur le compte de la société. Il nous reste 600 euros. Ah ouais, j'ai vu les comptes là. J'ai piqué la carte bancaire. C'est Thierry. Thierry, donne la carte, bouge-toi. Ah ouais, je t'en veux plus là. J'ai mis en photo au fond de la roulotte. Ouais, c'est ça, je m'en fous. Faut arrêter de dépenser là parce que j'ai pas le cul, moi, tu vas faire des crédits. Oh, hein. Et bah ouais, bah on a pas le choix. On travaille maintenant depuis chez vous, que ça saute. On va au travail, de toute façon, on a des betteraves à faire, nous. Je vais te boire un coup là, putain. Ouais, c'est bon, je finis ma bière, j'arrive. Putain, mais il est toujours à râler celui-là. On va refaire le stock, il râle celui-là. Allez, hop, pas de course, là. Allez, hop, une bière. Ouais, c'est bon, l'ancien. Ça vous allez bien, bienvenue pour l'épisode 3-4 de la ferme à l'ancienne. Et cette fois-ci nous sommes toujours sur la même map sur le stream farm avec Monsieur Fab. Yop les potes. Avec Monsieur Will. Oh yop les potes. Avec Monsieur Thierry. D'accord, merci. Et Aon. Salut. Voilà, donc on embrassera Thierry pour le fait d'être AFK. C'est super sympa de sa part en tout cas. À part nous faire part de l'argent, il fait quoi Thierry? Rien du tout. J'ai mis dans le chat 2 secondes. Ah mais ouais, mais j'ai pas le chat, je suis sans ATH. Donc du coup on va faire un petit tour avec Fab. Donc on a pas mal de choses à faire. Alors je vous montre le compte en banque. Voilà, je vous montre le compte en banque. Il nous reste 1550 euros. C'est pour ça que on va aller vendre l'ensilage fermenté qu'on a fini en live d'ailleurs la semaine passée. D'ailleurs ce soir il n'y a pas de live Twitch. Le live Twitch sera jeudi sur la ferme à l'ancienne, pour ceux qui veulent. Ouais. Donc voilà, salut Thierry. Là, donc on est très content de savoir que les œufs sont pas acceptés. Mais donc voilà, il y a tout ça dans le silage à vendre. Il y a en tout et pour tout 304 000 litres à vendre. Ah oui, c'est Thierry qui va les vendre ou Aon. Non, c'est Thierry qui va les vendre. Fab et moi, on va commencer par décharger le foin. Et avec l'ancien, après, on va partir faire l'activité que vous attendez le plus. C'est des betteraves à la brouette, évidemment. Le pour boire un coup, ouais, tu pourras boire un coup l'ancien, tu vois. T'es hype l'ancien ou pas? Oui, vachement. Ouais? Ok, nickel alors. Bah, c'est super. C'est super sympa de ta part. Bon, les gars, il y a quand même pas mal de bots. Là, il y a combien? Il y a un champ et demi, non? Il reste quoi dans le champ? Ah non, il reste Dans le JD, il y a un champ. Ouais, dans le JD, il y a un champ. Et moi, en live, j'ai ramassé la Bennett et j'ai ramassé une petite partie de l'autre champ. Donc, on va essayer de bien les mettre. Moi, je les mets là en attendant. Pour que comme ça vous devez pas aller trop loin. Et je vous filmerai en accéléré le fait de les décharger. Donc on aura du foin, on aura de la paille. Ah ouais, d'ailleurs on vend pas tout l'ensilage hein. Garde-en 100 000. Quoi? Pas moi qui vends l'ensilage. Thierry, ouais, pardon, excuse-moi. Thierry ne vend pas tout l'ensilage, s'il te plaît. Garde-en 100 000 dans le silo. Comme ça on pourra attaquer les vaches, mais il nous faut quand même de l'argent pour ça. Et bah d'ailleurs c'est pour ça qu'on va essayer d'ailleurs dans le prochain épisode ou quoi de ressemer nos champs aussi. Enfin au moins de mettre de la chaude, les cultiver. Comme ça on aura de quoi faire parce que là 1559 euros en sachant que Thierry n'arrête pas d'acheter. En sachant que l'ancien, et d'ailleurs elle est où ta voiture l'ancien? Ah voilà, t'as pas montré ta belle voiture. Et, là, et pourquoi t'as pas montré ta nouvelle voiture tuning? Non, bah parce que c'est pas la mienne. Voilà, déployer voiture. Comment ça c'est pas la tienne? Tu sais lire la plaque? Ah oui. Ouais. Il y a que Fabinou. Putain, dessus. Alors, ta voiture Fab, franchement stylé hein. T'as vu hein? Ouais, franchement elle déchire Fab. Putain mais elle a pas de frein sa voiture. Attends, je vais ranger les bottes. Oh non, je suis désolé. Oh là je suis désolé. Oh, je suis désolé, Fab. Je vais. Non,
Fab, je suis désolé. Ah, laissez-moi tranquille. Tu vois, Fab, pourquoi tu voulais, je voulais pas ranger les bottes. What I'm feeling, cause I'm about to go nuts. And my demon's trying to say what's up. I've been waiting for this my whole life. Wanna do it again 3-4 times. Cause it's better than a dream highway with young Lee. I will never get enough. Moins un point là. Bon les gars, on est reparti. Alors, c'était une idée d'huile, hein, bien sûr, de mettre toutes les bottes en vrac. Voilà ce que ça a donné. Évidemment. Bon, n'importe quoi, je suis arrivé, c'était en vrac comme ça. Non, mais je rigole, il y avait beaucoup trop de bottes pour les ranger, donc on a mis ça en vrac. De toute façon, c'est des petites bottes, on s'en fout, on va devoir les donner aux vaches assez simplement sous peu. Bon, notre Renault, il est dégueulasse vu qu'il a blindé travaillé. Pour ce faire, nous allons acheter un tuyau d'arrosage qui nous coûte 55€. Oui, bon, on achète des trucs qu'on peut se permettre. Alors, si on a 7400€, c'est parce que Thierry a vendu une benne d'ensilage à 6400€. Donc ça va, on va un peu remonter à ce niveau-là. Et voilà, je vais nettoyer mon Renault avec le tuyau arrosage et puis... C'est un tuyau Wish, non? Ouais, c'est un tuyau Wish. Il est Wi-Fi, Fab. Ah, je vois ça, ouais. Un tuyau Wheel. Oh putain, c'était nul à chier, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Godella qu'il faut que je prenne? Ouais. C'est pas... C'est... Bah, ouais. Celui-là, tu peux atteler, hein. Ouais, non, mais... Il est attelé, mais bon. Quoi? Les attaches vont pas dessus, c'est ça? Ouais, mais c'est normal, c'est pas la même, la même fourche. Du coup, les gars, on a plus que le Renault de libre puisque Thierry le prend. On a le JD qui va venir avec nous pour ramasser les betteraves, oui. Et on a également deux brouettes. Et je remercie Taz qui me les a reconverties. Donc, big up à lui. Il les a reconverties exprès pour la céréale ancienne d'ailleurs, hein, pour faire plaisir à Will. Voilà. Will, j'espère que t'es content de faire les betteraves à la brouette. Ah, je suis super content, t'imagines. Bah, ça se voit, franchement. Là, tu vois, ça s'entend. Tu vois, ce qui reste à aller chercher, les gars, c'est l'arracheuse à betterave et également le C15 avec les brouettes. Donc, à un moment, il a amené le John Deere avec le godet, parce qu'on va avoir besoin d'un godet. Bien évidemment, on va rassembler les betteraves sur un tas avec les brouettes, mais il nous faut le godet pour les charger dans la benne. Bah, tiens, je te donne le Renault. Tu peux retourner à la ferme. Moi, je vais prendre le C15. Ah, faut faire le tour par là. T'es obligé après, de faire. Ouais, mais t'es obligé de faire le grand tour. Y a pas un petit chemin direct par la ferme pour aller au champ? Non. Et ah, ouais. Aaron, c'est ouais, toujours non, si. Mais... Ouais, mais Aaron, il joue sur une map différente depuis tout à l'heure. Il n'y en a pas, mais c'est plus proche quand même. C'est plus proche. Bah, c'est normal, tout à l'heure, t'as traversé à travers champ. Bref. Ah, le gyro, il fonctionne. Ah oui, le gyro arrière fonctionne. Bien, j'arrive à 400 km/h, frérot. C'est le truc à côté des bidons à l'ancien, le truc de l'arracheuse. Là où il y avait la benne Brimont, ouais. Ouais, c'est ça, à côté des bidons à l'ancien, ouais. Voilà, Will. Voilà ton matériel préféré arrivé. Hop, X, L. Bon, du coup, bien évidemment, sur base de vos conseils, les amis, grâce à vous, j'ai encore perdu du pognon. J'ai dû racheter la remorque là parce que vous avez tous dit. Ah oui, merci, elle fait, hein, c'est un des elle fait plus ancien. Voilà. Merci, hein, c'est génial. Oh, regarde, on est synchro de ouf. On était synchro de ouf, gros. Voilà, bon, bah maintenant on attend plus que la machine pour arracher les betteraves et on est tout bon. Hein. On est tout bon pour notre chantier du jour. Hein. Et pendant ce temps-là, Thierry il fait encore les remorques avec Fab. Ça donne quoi? Vous avez déjà vidé combien, les frérots? Trois bennes déjà. Trois bennes déjà, ok, ok. Ouais, pas mal. On aurait dû prendre le massé derrière l'arracheuse, ça aurait été pas mal. Le massé derrière l'arracheuse, non, il aurait... Ah, pff, ouais. Les gars, on a juste pris le massé parce que c'est vrai que le Renault Aaron avait raison, ça faisait peut-être un peu too much. C'est vrai, hein, bon, le Renault, il était un peu trop gros pour le champ. Attends, l'ancien, tu gênes. Merci, bah, dépêche-toi parce que je m'endors, là. Ah, c'est bon, regarde, là, c'est parti, là, tu vas pouvoir t'amuser, là. Hop, attends. Oh, bah, oui, amuse-toi bien. Allez, dans l'ancien, boîte. Hop là. Eh, vas-y, l'ancien. Bon, j'espère que ce chantier vous plaît, les gars. On a combien de rangs? Combien on prend de rangs? 3 rangs? Parce que là, je suis en biais, mais. Ah, peut-être 2, hein. Peut-être 2 ou 3 en tout cas. Donc, en fait, c'est une machine qui est disponible sur le mode up, celle-là. Vous faites CTRL-I et ça vous retape les betteraves sur le côté. Tu veux qu'on les mette où, les betteraves, là? Bah, en fait, les gars, ce que vous pouvez faire, c'est faire un tas avec les brouettes. Un gros tas, et puis derrière, nous, on prend avec le godet, avec le JD, et on met dans la benne. Moi, tu sais ce que t'aurais dû faire? Bah, quoi? Un endroit où on aurait pu vider parce que là il y a ah, attends, je vais arracher. Je vais arracher en haut alors. Laisse-moi faire un retour. Ouais. Je vais arracher en haut et comme ça t'auras un endroit pour faire un tas. L'ancien, t'as pas un problème avec la pelle là? Non, au contraire. Qu'est-ce qu'il fait, l'ancien? Je ramasse la terre en même temps. l'ancien avec la brouette il ramasse tout.
Et t'as pas capté, du coup ça je fait vide que... et je ramasse en même temps, regarde. Eh mais je viens... Oh les gars, mais je viens de penser à ça. Si un de vous deux vous s'emmerde à l'ensilage là, il peut aller vendre les œufs des poules là pour qu'on ait un peu d'argent aussi. Parce ouais, que il y a 4 cartons je crois d'œufs à vendre, à voir combien ils sont repris, mais... Bah 4 ou 5 ouais. On a déjà... Parce que c'est vrai que là, regarde, 21 000 et il te reste combien dans le silo encore, Thierry? Plus de 200 000 encore? Bah oui, je sais pas, demande à Fab, c'est lui qui gère. Oh, les œufs, c'est même pas 1000, mec. Oh non, ça vaut rien les œufs, c'est 950 balles. Ah ouais, non, bah attends un peu, alors les vends pas tout de suite. Ouais. Bah je te fais un petit temps. Bah non, là, vous avez fait un tas sur l'herbe. Non, mais ça sera mieux aussi. Ouais. Attends, je reprends encore une rangée. Bon les gars, on est de retour, je vais prendre vous montrer un petit peu comment fonctionne la boîte. Bon, elle fonctionne globalement comme sur le 19. Alors l'ancien, lui, il a déjà give up. C'est pas comme ça qu'on travaille les bras, l'ancien. T'inquiète, il a pas besoin de travailler les bras. Hop, voilà, on va prendre ici. C'est des boîtes de combien d'ailleurs, de litres? Il m'a pas fait gaffe. 270. Bah voilà alors. Oh, allez, désolé l'ancien, c'est vrai que tu sais que là, t'as fait me fusiller la jambe. Hein. Bah mec. Bon, ça, et par contre, niveau rendement, l'air de rien, les betteraves, il y a quand même pas mal de rendement. Quand tu regardes déjà le tas qu'on a pour ce qu'on a fait, enfin pour ce qu'on a ramassé, c'est que c'est rien. Bah, regarde le tas que ça fait en deux lignes. Enfin, bah, ouais, t'as vu? Non, mais c'est incroyable. Et en plus, pour le coup, la machine elle est bien faite parce qu'elle en met partout, partout sur la largeur, genre. C'est quand même mieux fait que sur le 19 où ça en mettait juste sur un anda. Enfin, vraiment sur pas assez large, je trouvais. Hop, voilà. Donc ça va aller dans la benne vraiment. Alors qu'est-ce qu'on fait des betteraves? Est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'on les vend direct? Bah, je sais pas si le prix est bien maintenant. On va voir. Oh, 500 pour des betteraves, ça va. 500? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, ouais, c'est pas mal. C'est en train de monter là. C'est autant que l'ensilage. Vas-y, l'ancien, charge-nous la remorque. Ou alors je la charge. Tu vends toujours en betterave ou quoi? Bah, je pense pour que tu veux faire quoi? Il y aurait des cochons à la ferme. Ouais, tu prends pas de cochons à ta ferme? Bah ouais, mais pour le moment c'est un peu la dèche puisque moi je veux déjà faire les vaches donc. Non, mais pas pour le moment, mais après plus tard je pense. Bah ouais, ouais. D'ici là on refera. Bah, mais d'ici là on refera une récolte. Oh non, hein. On prend pas de betteraves, non. Bah si, d'une autre façon, il y aura sûrement des autres modes de sortie d'ici là. Ouais, la prochaine fois ça sera l'appel. Voilà, la prochaine fois c'est à l'appel et au saut. Cette fois-ci ça va, j'étais gentil, c'est à la brouette. Ouais. Bah voilà quoi. Laisse tomber. Vas-y, prends du cochon. Non, pas maintenant. D'abord les vaches. On va essayer. Bah, les poules, je suis déjà au max. Donc, il faudrait dès que le prix est bon, les vendre. Mais c'est bizarre. Et ils ont baissé le prix des œufs, peut-être avec leur mage, non? C'est quoi maintenant le max qu'on peut avoir? C'est toujours pareil. Mais je pense que c'est la map. C'est peut-être la map. Hein. Bah, on est en facile, je crois. Mais... Aïe, j'ai mal à la jambe. T'inquiète. Travaille plus, l'ancien. Tu peux aller boire une bière si tu veux, l'ancien. Aïe, il y en a, il m'a rentré dedans. Ah, avec son massé? Ah, il est pas gentil, c'est le stagiaire de Fab, hein, tu te plaindras à Fab. Il y avait sur la jambe, il y a écrit Lisa. Fab, il est comme la fosse, il est sceptique avec tes blagues là. Hop. Voilà. Heureusement que je t'ai appris cette réplique là. Ouais, ça c'est vrai, maintenant j'utilise tout le temps. Maintenant je fais que copier, moi, tu sais bien, Fab. Ouais, voilà. Tout à l'heure je copie les répliques à l'ancien. Maintenant c'est les miennes. Maintenant c'est les tiennes. Bon, il y a un avantage, c'est qu'on pourra pas copier les répliques à Thierry. Ah, là je t'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis en train de nettoyer le massé. Oh là là, il a déjà fini à la rivière. Non, mais putain, c'est pas possible ce genre de joueur. Fab, ton stagiaire, vraiment, qu'il fasse un truc, mais. Virez-le, c'est pas possible. Là. Bah, c'est ton stagiaire, ça, toi de le virer. Je vais le virer après. Je au cul et ça dégage. Ah là 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 là. Les amis, Will a chargé une remorque complète. Bon, franchement, avec un godet. Bah, du coup, le godet il fait 1000 litres, donc t'as mis 17 godets dedans. Même plus, 17 et demi. T'imagines le temps que ça prend?
Après on a l'ancienne hein. D'ailleurs je viens de penser à ça, donc on pourrait faire un emprunt. Mais bon, déjà là ça va, on remonte un petit peu la pente. 41 000 euros. Merde, c'était là. Voilà, et là et... Okay, ça va rapporter bon, de l'argent à la betterave hein. C'est bon, ça passe. Après la benne elle fait que 17 000 hein. Bon, ça va rapporter autant que leur silage hein. Ça va pas rapporter plus hein. Oh le bruit. Alors c'est vrai que c'est réaliste hein. En tout cas on vide sur du macadam, c'est déjà pas mal. Mais au moins on vide. Incroyable. Hop, et on a fait... Oh, on rapporte plus que l'ensilage, mec. On rapporte plus que l'ensilage avec une benne. Mais on se fait beaucoup plus chier. 7000. Oh. Bah ouais, on rapporte 7000, mais nous ça nous prend 4 heures à faire. Eux ils ont juste un, ils ont juste un convoyeur à charger. Quand tu regardes, on l'a fait à 4 km/h. Hein. Oui, bon, c'est vrai que l'ensilage en soi il nous a pris du temps à faire aussi, c'est la vérité. Mais là, frérot, on est là avec un godet qui prend 10 tonnes, enfin qui prend une tonne, laisse tomber. La galère. Mais au moins, c'est ça, c'est à l'ancienne, c'est à la galère. Mais l'air de rien, je pense qu'en vendant tout ce qu'on a en ensilage, enfin tout ce qu'on peut vendre, même en gardant 100 000 et le champ de betterave là, on pourra facilement arriver à 100 000 euros, pardon, excusez-moi. À mon avis, c'est large faisable, hein, vu qu'on était au début de l'épisode à moins de 2000 euros, alors bon. Je te mets la benne. On était sur la paille, exactement. Voilà. Bon, je vais aller faire également, vous montrer un petit peu le convoyeur qu'ils utilisent au BG à la ferme plutôt. Monter, voilà. Regardez, donc Fab, ah ben non, Thierry est dans le convoyeur. En gros c'est le convoyeur qu'on avait déjà utilisé, bah, c'était pour décharger l'ensilage hein, aussi qu'on l'avait utilisé. Du coup bah Fab part vendre et Thierry il fait rien depuis tout à l'heure, donc là c'était l'inverse hein. Voilà, monsieur a eu un appel, t'as laissé Fab tout seul quoi. Voilà. Ouais. Il m'a lâché, Ouais, t'as vu. Bon, tant que je suis à la ferme, celle que t'as mis sur l'étagère, Will, les palettes, elles spawnent où? Elles spawnent pas sur l'étagère hein? En dessous, elles spawnent. Elles spawnent en dessous. Donc moi, je vais les mettre sur l'étagère. En fait, on les stocke là. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est pas les mêmes palettes. C'est dommage d'ailleurs que Black Sheep, il ait pas repris les palettes du jeu de base, non? Vous trouvez pas? Parce qu'au moins, on voyait les œufs, tu sais, à travers. Enfin, on voyait vraiment la 3D des œufs. Les œufs, on sait qu'ils sont pas acceptés ici. Ouais, purée. Non, mais j'avoue que ça affiche le truc pour tout le monde, c'est relou. Voilà, donc ils spawnent là en fait, et pour le moment on a déjà 1, 2, 3, on a déjà 4 palettes les gars. Et par contre, ah ouais mais attends, faudrait peut-être remettre aussi à nos animaux, ouais ils ont quasiment plus rien, je vais peut-être remettre une bennette de blé, comme ça ils auront, comme ça je vais vous montrer où c'est pour vider. Et aussi, bah on les vend pas tout de suite parce qu'ils sont pas encore assez chers quoi, et là ils sont en baisse, on va attendre un petit peu. Du coup on va rendre le tracteur à Fab parce qu'en fait les gars j'avais oublié qu'on avait pas de blé dans le silo, mais c'était des big bags qu'on avait acheté. Donc on va pouvoir juste les mettre comme ça, ils sont là-bas, je les avais rachetés hein, évidemment pour cette sauvegarde, je vous ai dit qu'on recommençait pas à zéro. Bah vu que je suis un peu musclé, tu vois, on se permet de prendre les big bags à la main, tu vois. Voilà, merci d'admettre la vérité Thierry, c'est super sympa de ta part. Bon, vous voyez, c'est là qu'on le donne, et du coup voilà, c'est ici que ça augmente. Alors par contre, pour remonter dans le verre, à mon avis, on peut y aller. Hein. Frérot, le big bag, il faut 10 plombs pour qu'il se vide ou quoi? Ah ouais, hésite pas tout de suite. Hein. Bah on va mettre tout ce qu'on a, de toute façon il y en a plus que un, je crois, non? Il en reste plus qu'un. Ah bah c'est bon, Thierry le met. Et puis voilà, comme ça, c'est là hein Thierry. Oui, il va. C'est là hein. Voilà. Ouais, c'est là. Et du coup bah au moins on sera dans le orange en attendant. Bon les gars, pour terminer la vidéo, on va aller vendre une deuxième benne. Et par contre, le prix change tous les combien de temps? Une fois que t'as vendu, genre tu sais, le prix descend, non? Ouais, mais pas tout de suite. Non mais c'est combien, toutes les heures volume, ou... D'après un certain volume, je sais pas. Bah peut-être, mais moi je pensais que c'était... Moi je pensais que c'était toutes les heures. Bah écoute, alors non, c'est bah, pas de soucis. Je sais pas. Ah, s'il est en baisse, ça change. S'il est pas en baisse, ça change pas. On avait vendu combien? 7200, c'est ça? 7700. Bah là, on va voir. Putain, on va dépasser la barre des 70 000 en un épisode avec le matos qu'on a. C'est quand même inouï. Bah, c'est normal, c'est grâce à Fab et moi. Hein. Grâce à Fab. Je dirais plus grâce à Fab. Ouais, ça c'est vrai. Déjà pour commencer, je dirais plus grâce à Fab. Pourquoi je peux plus vendre là? Putain, mais il était dur à trouver le trigger, laisse tomber. 72, 73, 74. Est-ce qu'on va faire ça? Vous voyez, on fait les 7000 en fait.
7000, ouais, on fait pareil. Ok, bah c'est cool. C'est cool. Et là, dans la benne, on a fait deux bennes et on a mis combien de pourcentage du champ? Genre 20%. On a mis que dalle. Je sais pas parce que qu'on a mis on a fait un gros tas, donc on va ouais, je sais, mais il reste encore plein de trucs à arracher en plus, donc voilà. Bref, bah les amis, merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine et puis bah, on se retrouve pour la suite. D'ailleurs, le live, rejoignez-nous en live, donc pas ce mardi soir, mais ce jeudi les gars, on avancera pour faire le reste des betteraves, le reste de l'ensilage et tout, enfin ce qu'il y a à faire. Donc si vous êtes là le jeudi, bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch, le lien est en description. Et puis voilà. Oui, quoi? Et la phrase de fin. Oui, eh ben c'était Fab et toute son équipe, et à la semaine prochaine les amis. Bisous. C'était Fab. Salut.